Привет et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler le vocabulaire sur la famille. Si vous voulez approfondir vos connaissances de la langue ukrainienne, je vous propose de vous rendre sur mon site pour prendre le cours personnalisé avec moi. On commence par le mot « «мама». ». «Мама», c'est-à-dire une maman. Et je vous propose de voir directement une phrase que vous pouvez faire avec ce mot. La phrase que je vous propose à apprendre, c'est une phrase « «Моя мама працює лікаркою». ». Ma maman travaille en tant qu'une médecin. C'est très utile parce que cette phrase, vous pouvez l'appliquer dans votre dialogue et juste changer le nom de métier de votre mère. On continue. Et là, on va apprendre comment dire le père en ukrainien. Le père se dit tato. Мій тато працює інженером. Мій тато, mon père, працює інженером. Travaille en tant qu'ingénieur. Брат. Брат, ça veut dire un frère. Мій брат працює програмістом. Мій брат, mon frère, працює програмістом. Travaille en tant que développeur. Сестра. Моя сестра працює балериною. Сестра, c'est une sœur. Моя сестра, ma sœur, працює балериною. Travaille en tant qu'une ballerine. On continue et on va voir le mot grand-père. Le grand-père se dit дідусь. Мій дідусь на пенсії. Mon grand-père, мій дідусь, на пенсії. На пенсії, ça veut dire est retraité. Donc, mon grand-père est retraité. On continue avec le mot la grand-mère. La grand-mère se dit бабуся. Моя бабуся на пенсії. Моя бабуся, ma grand-mère, на пенсії, est retraitée. On continue avec le mot двоюрідний брат. Двоюрідний брат, c'est-à-dire le cousin. Мій двоюрідний брат вчиться у школі. Мій двоюрідний брат, mon cousin, вчиться у школі. Fait ses études à l'école. Et on passe maintenant à une cousine. Une cousine se dit двоюрідна сестра. Моя двоюрідна сестра не працює. Моя двоюрідна сестра, ma cousine, ne працює, ne travaille pas. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour prendre la leçon personnalisée avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez écrire vos propres phrases avec le vocabulaire que je vous ai proposé dans cette vidéo. Je vais les regarder et je vais les corriger. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous et à la prochaine.